Bonjour, bonsoir à tous dans ce nouveau tuto de Tuto Pratix. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto. Ce sera pas Photoshop ni Cinema 4D, mais là, ça va être comment avoir des thèmes Windows 7, d'accord, qui changent la couleur de la barre ici, le fond d'écran, et voilà. Donc, et puis des fonds d'écran sympas, on va dire. Donc moi j'en ai téléchargé. Donc voilà, donc je vais vous dire comment il faut faire. Donc ça évite de télécharger des comment dire, des thèmes, par exemple le thème de Mac, le thème de tout ça, de plusieurs choses qui ont peut-être abîmé votre ordinateur. Et donc c'est mieux de télécharger dans Microsoft, c'est plus sécurisé. Donc vous cliquez droit sur votre bureau, vous allez dans Personnaliser. Ensuite, vous agrandissez votre fenêtre. Vous allez en bas, maintenant, ici, et il y aura écrit obtenir plus de thèmes en ligne. Donc, vous voyez, moi, j'en ai quand même téléchargé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. D'accord? Donc, et chacun a sa personnalisation. Le son change. D'accord? Il y en a où le son change. Donc, voyez, la couleur des fenêtres change. Il y a plusieurs choses comme ça. Il y a même un qui est sympa, c'est celui-là. Donc, là, la couleur est blanche, le truc. Enfin, voilà, ça, c'est sympa. Donc, vous cliquez sur obtenir plus de thèmes en ligne. Donc, là, voilà, vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez plusieurs thèmes ici. Vous pouvez en avoir bien sûr beaucoup plus. Donc là, je vais vous montrer. Donc vous pouvez vous cliquez sur n'importe lequel, vous cliquez sur détails. Et là, donc là, il vous montre tous les trucs qu'il y a. Donc moi, celui-là, je l'ai pas, mais je crois que je vais le télécharger, tiens, justement, parce qu'il est assez chouette. Donc, couleur de la fenêtre, la couleur est comme ça. Il a 14 images. Et le son, est-ce qu'il y en a un son? C'est pas marqué. Il doit peut-être y en avoir un. Et vous cliquerez. Donc, soit vous cliquez sur détails, sur télécharger, ou soit vous cliquez directement sur télécharger ici. Voilà. Là, vous mettez OK. Là, vous attendez que, voilà. Vous attendez que ça finisse. Ça prend quelques petits temps. Voilà, encore 5 secondes. Il va se mettre automatiquement, vous touchez à rien. Donc la décomposition. Et là voilà. Donc ceci est mini et voilà. Donc voilà, le thème c'est mis ici. Donc moi je trouve que ensuite vous regardez les arrière-plans qu'il y a. Donc là le son n'a pas changé. Voilà. Donc excusez-moi. Tac, donc là c'est ça. Oui, vous en avez plusieurs. Donc moi on va dire que j'aime. Bon, ce thème, je l'ai pris, mais je l'aime pas. Donc pour enlever un thème, vous cliquez droit dessus. Alors. Tac. Vous sélectionnez un autre thème, n'importe lequel. Moi, je vais prendre. Celui que j'avais, par exemple. Voilà. Vous cliquez droit sur ce thème-là, le thème que vous voulez plus. Et vous cliquez sur supprimer le thème. Et là, vous mettez oui. Et voilà. Voilà. Donc vous en avez pas mal, celui-là non plus je l'aime pas trop, donc je supprime. Hein. Tout ce que vous aimez pas, ben vous pouvez les supprimer. Moi je prends celui-là. Donc je vais vous montrer, il y en a vraiment plus. Hein. Donc il y a là, d'accord. Ensuite, il y a tout ça, plantes et fleurs, vous choisissez votre thème que vous voulez. Donc là, il y a plantes et fleurs. Donc là, je vais voir les détails.
Donc là, je vois tout ce qu'il y a. Donc ça, il m'intéresse. Donc je clique sur télécharger le thème. OK. Hop, donc là, je fais tac le temps. Alors, je profite pour ce temps pour vous demander si vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube, voir si ça vous plaît. Et voilà, donc, et puis mettre à des abonnés si vous aimez bien mes vidéos. Et des likes en bas de la page de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, hop. Voilà, ça se mettra tout seul. Donc voilà. Donc là, vous voyez, le truc est bleu. Voilà, il n'y a pas de. C'est assez joli. Ou supprimez bien, enlever le truc. Voilà. Donc voilà, il y a. Ensuite, vous pouvez cliquer droit, là, et afficher l'arrière-plan suivant, qui est celui-là, par exemple. Donc voilà. Donc vous en avez vraiment pas mal, hein. Vous avez aussi des films, hein. Vous avez. Regardez, alors. Vous avez là, vous avez animaux, les plus populaires, dernier thème. Hein, donc dans les derniers thèmes, il y a ça. D'accord. Ensuite, il y a les films. Voilà, donc les films, il y a ça, par exemple. Voilà, le chapeauté. Donc, il y en a pas mal. Il y a Shrek, il y a... y en a un que j'aime bien. Je sais même plus où est-ce qu'il est. Donc, tiens, je vais prendre celui-là, Shrek. Vous pensez, alors c'est très important, juste après que vous avez téléchargé le thème, vous pensez, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer votre PC avec ses cleaners. Il faut penser à faire ça. Et supprimer les téléchargements qui sont là. Très important, parce qu'après, sinon ça s'accumule, ça fait bugger votre PC. Ouais, assez vert. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Et bon, ben, je vous retrouve dans un prochain tutoriel de tuto pratique. Et puis, j'espère que ce tuto, vous l'avez bien compris. Qui n'était pas difficile à comprendre. Et que vous avez Windows 7. Parce que ça, on peut faire qu'avec Windows 7. Peut-être avec Windows XP, mais moi j'ai pas Windows XP, donc je. Donc voilà.